aujourd'hui, il y a des signes assez lourds pour craindre sur à propos de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, aujourd'hui, elle est menacée non pas seulement par des paroles, elle risque d'être menacée dans les textes. Par exemple, la loi pour l'installation de la AICA, la haute autorité de l'audiovisuel, elle est contestée non seulement par des organisations nationales, mais internationales. Il y a 47 organisations aujourd'hui qui s'élèvent contre le texte de la loi de l'AICA. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, au niveau des faits dans la rue, je vous ai dit que les journalistes s'élevaient contre l'attitude des autorités, mais sur le fond, c'est-à-dire au niveau des textes, il y a des risques encore plus graves de voir des textes liberticides être adoptés.